Bonjour, c'est le cinquième jour du concours. Aujourd'hui, je vous redonne le correctif. Plus de liens dans vos commentaires pour valider votre participation. Juste me mettre la vidéo qui vous a le plus plu avec Chou & Flower et pourquoi, mais pas de lien, ça ne marche pas. Je vous remets tout en descriptif et vous aurez un bandeau tout le long de la vidéo pour vous redonner bien la règle. Les deux premières conditions, mais on supprime les liens, ça met le souk. Donc voilà, et ça évite les soucis, j'espère en tout cas. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour. Si je ne me mélange pas les pinceaux, sinon je vous mettrai en incrustation. Mais je crois que c'est ça, le cinquième jour. Cinquième jour du concours 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors cinquième jour, cinquième marque en focus, cinquième lot et du coup un cinquième ou une cinquième gagnante. Aujourd'hui, c'est un lot qui vous est offert par ma deuxième DT. C'est l'équipe Chou & Flower, que vous connaissez bien si vous me suivez, puisque j'utilise depuis très 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 longtemps les produits Chou & Flower. Avant de vous montrer en détail le contenu du lot, je vous redonne tout de suite les règles parce qu'elles sont un petit peu particulières pour ce concours, donc que vous les sachiez dès le départ. Les deux règles classiques, être abonné à ma chaîne YouTube pour participer, abonner et liker la vidéo. Bon, ça, jusque-là, tout va bien. Et puis, en commentaire, pour valider votre participation, il faudra me mettre quelle est la vidéo dans laquelle j'ai utilisé les produits Chou & Flower. Peu importe, là, en tant que membre d'été ou même avant que je ne fasse partie de l'équipe, puisque vous avez tout sur ma chaîne YouTube. Donc là, peu importe, c'est une marque que j'ai beaucoup, 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 beaucoup utilisée. Donc vous avez plein de tutos vidéo. Vous allez avoir ce sera moins compliqué que la vidéo d'hier, parce que vous avez énormément de vidéos. Donc là, vous allez avoir le choix. Donc il faudra me dire laquelle de ces vidéos où j'ai utilisé des produits Chou & Flower vous avez le plus préféré. Me dire pourquoi dans le commentaire et me mettre le lien de la vidéo en question pour que je sache tout de suite de quelle vidéo vous parlez, pour que ce soit plus simple pour moi. Si l'une des conditions n'est pas respectée, je ne pourrai pas valider votre participation, donc c'est super important. Donc Chou & Flower, bon bah vous connaissez mon amour pour la marque depuis longtemps, une marque que j'utilise dans mes réas scrap au début, avant que je ne fasse de l'art journal, parce que je l'utilisais sur mes pages de scrap. J'ai des mini-albums aussi qui ont été faits avec des produits Chou, entre autres. Donc déjà une marque que j'utilisais déjà avant, mais alors depuis que je fais de l'art, c'est même d'ailleurs un peu en partie, je ne vais pas dire à cause, mais grâce aux produits Chou que je me suis aussi un peu plus lancée dans l'art journal, parce que j'avais tellement envie d'utiliser les produits de Chou. Et en fait, et c'est le gros avantage de l'art journal, c'est qu'en fait, on change d'univers comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir des photos raccord avec les thèmes. On peut partir dans l'espace si on veut. Là, c'est la collection d'Halloween qui est sortie. Donc, on a beaucoup de produits sur la thématique de la sorcellerie, des petits monstres, des vampires, des expériences. Autant vous dire que je n'ai pas spécialement de photos sur ce thème-là. Eh bien, grâce à l'art journal, je peux me plonger dans des univers complètement différents et me faire plaisir. Donc, c'est la grande force de l'art journal, avec beaucoup de marques d'ailleurs, mais notamment Chou & Flower. Donc, bon, c'est super. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est super. Donc, je vais vous montrer ce que les sœurs vous ont réservé. Alors, vous avez déjà les petits goodies qui vous sont envoyés dans vos colis en fonction de vos achats, je crois, aux portes ouvertes aussi. Alors, ce n'est pas toujours la même chose. Ce ne sera pas toujours des carnets. Donc, il y a des produits un peu collector dans ce que les sœurs vous ont mis, hein, que vous ne retrouverez pas forcément, déjà pas à la vente pour cela. Et puis, pas forcément dans les commandes suivantes. Hein. Vous avez les bloc-notes qui sont très pratiques ici. Vous avez les petites cartes de porte à attacher comme ça à la porte. Vous avez un petit badge trop mignon. Donc ceux-là, c'est pareil. Hein. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Ils ne sont pas forcément réédités avec les petits doudous ici. Et puis, ça, c'est la petite carte qui accompagne vos colis, je crois. Hein. Nous aussi, quand on reçoit nos colis d'été, on a la chance d'avoir une petite carte des sœurs Chou avec un joli petit mot à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est les goodies. Vous avez aussi, je vais vous le montrer à la fin, celui-là.
Après, dans les collections, dans ce lot à gagner aujourd'hui, vous allez avoir le petit doudou Patchwork. Alors, c'est Monsieur Patchwork, je crois qu'il s'appelle. Monsieur Patchwork, c'est la collection cyclique. Ici. Vous avez un tampon clear avec cette petite baleine trop mignonne. Assez grande d'ailleurs, on peut faire plein de choses avec. Et alors, c'est là que je vais vous dire la collection en même temps. C'est Voyage Imaginaire et c'est les Gnomes Voyageurs. Voilà ici, avec un joli texte. Alors, pardon pour l'effet miroir encore. Ces petits riens qui font tout, pardon, j'ai pas mes lunettes. Certaines ont remarqué sur une vidéo, sur une vidéo chou avec le mood board de curiosité, m'ont dit, mais j'avais pas vu que tu avais des lunettes. Oui, bah effectivement, je les mets maintenant. Je m'en suis passée pendant longtemps et je me rends compte que quand je les mets, je vois beaucoup mieux que quand je les mets pas. C'est un signe. Alors, quand je scrape, hein, parce que c'est la vue de près, vous savez, c'est la vue quand on commence à avoir un certain âge, là. Parce qu'avant, j'avais pas forcément de problème de vue. Donc oui, j'ai des lunettes. Et là, donc, je ne les ai pas mises. Mais voilà, ces petits riens qui font tout. Vers des contrées enchantées. C'est bon, j'ai réussi à lire. Donc, ce petit tampon clear. Vous avez le tampon Patchwork. C'est la collection Forêt Enchantée. Pourquoi je regarde? Oui, c'est ça, parce qu'on fond Patchwork. Je le connais. Voilà, Forêt Enchantée, c'est la première collection en tant qu'invitée créative quand j'ai commencé à travailler avec les sœurs Chou. Donc, elle a une saveur particulière, comme je vous parlais pour les ateliers de Karine avec la collection à contre-courant. Celle-ci, en plus, c'est une collection que j'ai adorée comme beaucoup d'autres collections Chou, mais c'est celle-ci particulièrement. Mais je n'ai pas été la seule hein, parce que c'est une collection qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, elle est sentimentale, celle-ci. Forêt Enchantée, fond Patchwork. Vous avez aussi, j'ai encore une planche de tampon, mais j'ai deux pochoirs. Le premier de la collection Forêt Enchantée aussi, c'est le feuille numéro 2, celui-ci. On a un petit effet vitraux aussi, je trouve, vitrail vitraux. Ça peut être intéressant à travailler aussi comme ça. Mais autrement, ce sont des petites feuilles. On a celui-ci qui est un masque qui nous vient de la collection Voyage Imaginaire. C'est Rosas 2. Ici, alors je ne vous ai pas montré l'arrière. Enfin, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais... Hop. Voilà. Et le dernier, mais non, j'en ai encore un à vous montrer. Hop, cette planche de tampon que j'ai adorée aussi. C'était la collection Dans la Lune. C'est Plante Magique. Et j'ai travaillé avec les petits ciseaux. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup cette planche. Le feuillage ici, cette feuille-là aussi. Et puis les textes, on est sur alchimie végétale, graines de bonheur, au fil des saisons, automne, printemps. La vie qui me ressemble, cueillette sauvage, fait maison. Elle est top. Je l'ai, cette planche. Avant de faire partie de l'équipe. Je l'avais déjà. Voilà, et puis le petit dernier, c'est un collector, puisque c'était un tampon offert en cadeau, c'est tube de peinture. Donc celui-ci, vous ne le trouvez pas à la vente. Donc c'est un tampon collector. Donc vous avez un joli tube ici, et puis vous avez en texte la mélodie des couleurs, le parfum du bonheur, série numéro, happy. Il y a deux feuillages, un petit godet d'aquarelle ici, et puis le happy et le série doivent pouvoir se loger dans le tube aussi, je pense. Vous êtes encore gâtés, hein. Donc encore un grand merci aux sœurs Chou and Flower, à Céline et Natalia. Je vous le redis, vous avez jusqu'au 12 novembre pour participer. Je vous le mettrai dans le descriptif de toute façon. Donc vous avez le temps, mais Chou and Flower, il n'y a pas trop de difficultés parce que vous avez plein de vidéos, donc bon, pas trop de soucis pour retrouver une qui vous intéresse ou qui vous plaise bien. Donc je vous le redis, likez la vidéo, être abonné à ma chaîne YouTube et surtout mettre en commentaire la vidéo qui vous a le plus plu avec les produits Chou and Flower sur ma chaîne YouTube.
me dire pourquoi et me mettre le lien de la vidéo en question pour que je puisse valider votre participation. Voilà. Je vous retrouve demain, le petit rendez-vous quotidien pendant 8 jours. Je vous retrouve demain pour une nouvelle marque et un nouveau lot. Alors à demain.